jeunes dans la travers, les vieux dans la misère. Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, comme on l'a décidé en intersyndicale, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Comme dans tout conflit social dans les entreprises, quand il y a un conflit qui dure, eh bien, on essaie de trouver une solution. Sur des sujets qui sont plus que jamais d'actualité, la pénibilité, le travail. J'ai discuté avec un pompier ce matin sur un piquet de grève qui me dit « Mais tu m'imagines à 64 ans, en haut de l'échelle, pour sauver des vies, si je ne suis pas en condition de bien faire mon boulot, et ben c'est des vies qui sont en jeu. » Maintenant, la balle, elle n'est pas dans notre camp, elle est dans le camp du gouvernement. Il doit entendre ce qui se passe dans le pays, il doit entendre la colère qui monte et arrêter d'envoyer ses forces de l'ordre pour nous taper dessus, écouter ce qui se passe et retirer le projet de réforme. Ce serait incompréhensible qu'un gouvernement n'écoute pas tout le monde entier. Dit que c'est un mouvement énorme qui se passe et seul le gouvernement n'entend pas ce qui se passe. Donc c'est impossible de continuer comme ça. Il faut qu'il retire le projet. Et que la colère a fait de meilleur.